Bonjour tout le monde, ici Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Backbone Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bon, c'est un ratat laveur où il y a une lutte qui a venu le voir pour lui dire que son mari l'a triché probablement. Là-dedans, il y a une histoire de cocaïne et tout et tout et tout. On verra bien ce qu'on va y aller. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que ça va? Je suis entré dans un bâtiment. Ah, ça, cet endroit, il est magnifique. Maléfique. Vous feriez mieux de passer votre chemin. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Rien, mêlez-vous de ce que vous regardez. Bon, vous pouvez m'aider à rentrer. Travailler dans cet établissement, ça suffit, vous vous foutez de moi. Je vous l'ai déjà dit, je partirai. Pas sans elle. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous cherchez quelqu'un? C'est ça, fait celui qui comprend pas. Ça prend pas. Non, monsieur. Je sais tout et je bougerai pas d'ici d'avant d'avoir pu parler à ma. Pétillotte, je vais vous le dire. Vous cherchez votre fille? Je suis pas stupide, je sais qu'elle est là, mais elle refuse de me parler. Non, c'est plutôt qu'elle m'empêche de la voir. Elle est à l'intérieur, j'essaierai de la retrouver si vous arrivez à rentrer. Vous êtes pas ces voyous? Quel voyou? J'ai une affaire personnelle à régler ici. Rien de plus. Non, madame, Howard Luthor, détective privé. Détective, je comprends pas, je crois qu'on pourrait s'aider mutuellement. Comment? Je dois trouver un moyen d'entrer dans ce bâtiment. Est-ce que vous pouvez m'aider? Vous voulez vraiment entrer dans ce bouge? Dans ce bug? Ouais, vous avez une idée? Peut-être, enfin, pas vraiment. Je leur ai donné le bon code, mais ces cafards m'ont pas ouvert. Je veux juste lui parler. Qu'est-ce qui est arrivé à votre fille? Quel code? Je le connais par cœur. Par le grand incendie, je me suis gouré de planning. Laissez-moi entrer. Ma fille est dans ce bug. Il refuse de me laisser la voir. Qu'est-ce qu'elle a fait dans ce club? Pourquoi vous empêchez de la voir? Elle prétend qu'elle veut pas me voir. Mais moi, je sais qu'ils mentent. Ils veulent juste pas ébruiter l'affaire. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce club? Elle s'est mise en tête d'être indépendante dans tout ça pour finir dans un bordel. Quel idiote! Oh, je suis sûr qu'il la drogue. Il l'empêche de voir sa propre mère. Mon pauvre bébé, j'essaierai de la trouver si j'arrive à rentrer à quoi elle ressemble. Elle a la fourrure grise, elle s'appelle Rosie. Non, Rose. Elle déteste quand je l'appelle Rosie. Elle vient d'avoir 20 ans. Oh, ils ont touché à une de ses moustaches. Je te jure de cramer entièrement ce trou à rats. Vous êtes sûr qu'elle est toujours là? Je ferai mon possible pour la trouver. Merci, dites-lui que je l'attends. Ici, je suis sûr qu'on ne lui a rien dit. Vous savez qu'il y a une autre entrée? Non, j'ai entendu des voix sur le toit, mais je vois pas comment y accéder. Très bien, merci de votre aide. Je ferai mieux de chercher un autre moyen d'entrer. Je vous en prie, si vous voyez ma pétillotte, dites-lui juste que je veux la voir. Prenez soin de vous. Une camionnette de livraison, sa portière est ouverte. Entrée par infraction. La camionnette est remplie de cartons et une forte odeur de rouille règne à l'intérieur. Il y a un étrange appareil enregistreur sur le tableau de bord. La boîte à gants n'a pas l'air fermée. Ouvrez la boîte à gants. Dans la boîte à gants, vous trouvez à l'intérieur quelques journaux ainsi que des documents qui ressemblent à une facture ou à des chèques. Et chez les journaux, deux journaux, un datant de septembre et l'autre d'octobre, ils ne semblent pas avoir de lieu. Épluchez les factures. La prochaine achat est censé avoir lieu aujourd'hui. Regardez les journaux. Deux journaux en datant de septembre et épluchez les. Il y a les gros titres. L'épidémie gagne du terrain, les pierres vecteurs. Attaque meurtrière contre mur, trois défenseurs blessés et un mort. Essai d'utiliser appareil. Vous pouvez peut-être imprimer un appareil enregistreur branché au tableau de bord d'une camionnette. Sans doute à la fin de la surveillance, vous pourriez peut-être imprimer les enregistrements et vous saisir la bonne date. Sélectionnez certaines dates sous la facture et les journaux. Peine de piave, je veux pas prendre autant. T'aurais dû être là il y a 3 heures. Comment tu crois que je gagne ma vie? J'avais d'autres livraisons effectuées. Je peux prendre que 3 dans la camionnette. T'as 5 heures de retard. Lâche-moi la grappe. Tu me donnes envie de faire le mur.
Ça m'a pas aidé, ça. On était... Ça fait 5 heures qu'on attend. C'était... Par le grand incendie, je me suis gouré de planning. Laisse-moi entrer. J'étais coincé dans les embouteillages. Laisse-moi entrer. T'inquiète. Je vais vous faire ça comme un appareil. Tu peux ouvrir. Une blague ou quoi? Dégage. On dirait que j'ai mal à gérer le coup. Putain. T'es débile ou quoi? T'as 5 heures de retard. C'est quoi, c'est les embouteillages? Laisse-moi entrer. Oh, mon Dieu. Par le grand incendie, je me suis gouré. Prêt à charger. Une chiennasse. T'inquiète, je vais pouvoir faire ça comme à la parade. Tu peux m'ouvrir? Ouais, ok, on a 7 colis aujourd'hui. Prépare-les pour que je les charge. J'ai ouvert la camionnette en grand. Je suis prêt à charger. Voyons, tabarnak. T'inquiète, je vais faire ça comme à la parade. Entre et attends la buanderie. Je vais les apporter dès qu'ils sont prêts. D'accord, bon. Une laverie, la barre se trouve juste derrière cette la barre se trouve juste derrière sa porte. Je pourrais peut-être me faufiler derrière ce videur et accéder au premier étage. Le mode charge permet de descendre à condition d'avoir la clé. Bon, on n'a pas la clé. Près de la porte, je ne mangerai pas là. Même si c'était une option. Pas que le propriétaire me voit. La petite cochonne de lapine est là. X, pour vous accroupir, les ennemis ne pourront pas vous entendre ni vous voir derrière les éléments de décor. Je dois juste me faire discret et jeter un coup d'œil dans la salle privée. Je ne dois pas être loin, Jazz. Ah, Chris. Je comprends. La lapine, elle est où? Merde, je l'ai raté. Il a peut-être laissé quelque chose d'utile pour Odette. Une cravate verte est coincée derrière le cadre. Comment a-t-elle pu arriver là? Le chapeau vert Green devrait être là. Reste à savoir où il est passé. Parce que la lutte avait une cravate verte et un chapeau vert. C'est de la cocaïne. L'odeur est vraiment infecte. Ça sent la même chose que Gwen. Un passage secret! Je dois pouvoir me glisser là-dedans. Je n'y tiens pas particulièrement, mais ce n'est pas le moment de faire des temps difficiles. Allez, rentre. Toujours là, toi? Inspectrix Gwen. Le fourneau est vraiment sinistre. Qu'est-ce qu'ils ont brûlé là-dedans? Une porte. Oui, je suis là. Oh yeah! Rodrix, on sert des mets de choix aux clients du club. On dirait que ça sert des mets de choix. Interphone. Non, je vais pas aller là tout de suite. Je vais faire un peu de lecture. Greg, c'est encore le bazar dans l'inventaire. Si je surprends à voler de la nourriture, je te coupe la petite
Des petites mains charpardonneuses. Pas trop voulu que c'était. Salut garçon. Toi Greg, tu es encore coincé dans la chambre froide? Non, je vérifiais juste l'état de la connexion. C'est... En direction, je dois pouvoir emprunter en me baissant un peu. Je n'ai vraiment pas intérêt à me faire choper, ce type, mais ça sent très bon. Appelez à la cuisine. Eh, hey, c'est la cuisine, qu'est-ce qu'il vous faut? Et c'est toi, Greg, je te préviens, hors de question que je te fasse un casse-croûte. Je voudrais commander une grande pizza avec de l'ananas. Et Greg, je suis encore coincé dans la chambre froide. Bon sang, mais c'est pas vrai, bouge pas, je viens de poter le cul. T'es nul. Qu'est-ce que vous n'avez pas à bouger? Ah ben mec, faites ça vite. Greg, la clé du monde charge a encore disparu. Elle a intérêt à être là, mon retour. Déplacer les objets. Rien. Ah, c'est pour une carte, ça. De carreaux.
peut-être mon billet de sortie, mais il va falloir une clé. Ah. Comme ça, hein? Ah, il y a des trous là-dessus aussi. Zéro. Mais comment je peux savoir quel va en premier? Commencer. Mais c'est un zéro, ça. Pourquoi il passe pas par-dessus?
passe par-dessus zéro papier. Sauve-la. Peut-être pas un 8, c'est peut-être un 1 aussi. Et 1. Donc 4, 0, 5, 1. Il y a 20 possibilités, esti. Donc on va 0, 1, 4, 5, 5, 4, 1, 0. Et qu'est-ce qui serait l'indice qui me dirait avec un ordre chronologique? C'est pour dire la grosseur des papiers, mais... 5, 4, 0, 1. Non. Ouais, 5, 4, 0, 1. 5, 4, 0, 1. 5, 4, 1, 0. Une machine, parce qu'en fait ça, je peux avoir des... Moi, je ferais avec un crayon papier, puis ça me tente tellement.
comprends rien. Là, je peux le faire, ouais. Et c'est bon, hein? On a plus de possibilités, je croyais. Ah, c'est celui-là que j'essaie. 4, 5, 1, 0. Je l'ai eu. Je suis un cerveau. Il y avait 20 possibilités. J'avais sorti environ 8. Une douzaine m'en manquait avec un autre chiffre. Qu'est-ce que ça caille ici? Où est la lumière? Le Gwen ne l'aurait jamais trouvé. Gwen n'a tellement jamais trouvé, il est parti coucher. Et là, t'as-tu vu mon intelligence supérieure? Oh la vache, qu'est-ce que c'est que ça? Merde, c'est Monsieur Laloute! Cadavre. Laloute morte. Elle est nue. Qu'est-ce que c'est cette histoire, hein? C'est Jazz? Le cadavre est silencieux. Vous touchez un corps de l'index, il n'est pas encore froid. Essayez de déterminer la cause de la mort. Corps ne montre aucun signe de mort violente. C'est juste une lutte de sexe masculin nu, morte et un léger surpoids. Ils l'ont peut-être fait faire un overdose.
Le corps reste immobile. Le malheureux est indubitablement mort. Sans doute assassiné récemment. Qu'est-ce que ça? Oh là. Ça pourrait être moi, prochaine. Magnifique cadavre. Ce corps de Jérémy sans l'alcool et de l'eau de colonne, bon marché. Le tout mélanger à une odeur d'herbe particulièrement nauséabonde. Ça suffit comme ça. Je m'en vais. Quelqu'un vient par ici. Vite, je dois me planquer. La poubelle. Les Grecs, non, j'ai pas encore fini la découpe. D'accord, j'arrive. Merde, ils vont manger de la loot. Déjà, personne ne mérite de finir comme ça, pas même moi. J'ai la clé, encore une chance de m'en sortir vivant. Merde, monsieur. Tu vas l'essayer ce jeu là? Tu vas me dépasser, j'imagine. Je joue pas. Merde, j'ai encore pris de mon charge. Connard. Il a vu la barre de trou derrière cette porte. Une laverie, la barre se trouve juste derrière cette porte. Je pourrais peut-être me faufiler. Je peux pas sortir de l'autre côté. La charba. Il vomit. Il y a Vigouen en petite culotte. Oh, pareil, ça me fait le même effet quand je la vends, cette culotte. J'ai fini le premier acte. Merde, merde. Il était en train de le dépecer. Je crois toujours pas mes yeux. Il est en train de dépecer pour faire disparaître le corps. Quelque chose de pire. Non, c'est absurde. Personne ne mange de chair. Si des bêtes serviraient de la chair à des clients. Il était en train de démembrer pour les mettre en boîte. J'ai déjà entendu parler des cannibalistes rituels, mais là, c'est pas possible. Je vois la scène chaque fois que je fais Dieu. Non, non, je reprends sa l'odeur, mon vieux. Concentre-toi sur l'alcool. Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est un vrai cauchemar. J'ai le devoir d'agir. Je ferais bien de prévenir les flics. Qu'est-ce que je vais dire à Odette? Pourquoi Jess? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est peut-être juste au mauvais endroit au mauvais moment. S'il n'était pas le premier. Il avait tout d'un pauvre type inoffensif. Un bien innocent Bloodwood a déjà tué, impossible de dire avec certitude. Il avait tout un pauvre type inoffensif.
Qu'est-ce que ce pauvre bougre a bien pu faire pour mériter un tel sort? Ah, tout à l'heure, c'était peut-être bougre qui était écrit, mais il manquait un R. Impossible de dire avec certitude. Je suis pas sûr de vouloir savoir. J'ai le devoir d'agir. Je ferais bien de prévenir les flics. Qu'est-ce que je vais dire à Odette? Pourquoi pas la vérité? La vérité est peut-être un peu dure à entendre. Je vais mentir lui raconter qu'il a quitté pour une autre. Je veux jouer l'amante, lui dire que je ne l'ai pas encore retrouvé. J'ignore pourquoi ils l'ont tué. Je pourrais peut-être essayer de trouver des réponses pour elle. Pourquoi que je vais devoir improviser? La vérité est peut-être un peu dure à entendre. Je vais mentir et lui raconter qu'il a quitté pour une autre. Sa mort est peut-être un mal pour un bien. J'ai le devoir d'agir. Mais qu'est-ce que je peux faire tout seul? Je dois au moins les empêcher de faire d'autres victimes. C'est ma chance de faire quelque chose qui compte vraiment. J'ai pas envie de passer ma vie à prendre des maris infidèles en filature et de retrouver des mantes volées. Mais ces affaires minables sont sans danger, sans cadavre. Mais j'ai pas envie de mourir non plus. Ouais, mais sauf que je regrette parfois d'être en vie. Merde, je m'étais jamais senti aussi paumé. Si seulement j'avais quelqu'un qui parlait. Ça va aller. Je peux m'en sortir tout seul. Personne ne comprendrait de toute façon. Je dois me débrouiller tout seul, comme d'habitude. Je dois au moins les empêcher de faire d'autres victimes. Ouais, je suis sûr que si je lui demande poliment, Clarissa accepterait de m'écouter. Je pourrais ébruiter l'affaire, prévenir la presse. Je pourrais y retourner et récolter des preuves. J'ai eu la chance d'en sortir vivant. Pas question d'y retourner. Et au-dessus de mes forces, ça pourrait bien être l'affaire la plus importante de ma carrière. Mais est-ce que je risque en vaut la peine? C'est peut-être pas la meilleure idée. Je ne saurais même pas quoi dire. Le doigt des préamants est intouchable. Elle doit avoir la protection de quelqu'un de très haut placé pour oser faire un truc pareil. Je ne saurais même pas quoi leur dire. Salut, je suis entré par infraction dans une propriété privée et je voudrais vous signaler un meurtre. Ils vont juste m'arrêter pour intrusion et ignorer tout le reste. Des crèvures, des tentes, les affaires de meurtre insolubles. Ils se contenteront de classer le dossier. Ouais, j'ai pas envie de répondre aux questions que ça risque de soulever. Non, la police n'est pas une option. Réfléchis, Howard, réfléchis. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Quel nul. Pas moi. Quelle merde. Peut-être que si je bois assez, j'oublierai tout. Ça coûte rien d'essayer. Je suis qu'un lâche. Je veux juste en finir avec cette sale journée. Il n'y a plus rien de jeu. Quelle merde. Et on continue ou tu vas te coucher? C'est pas la question. Burning pot, remember the great fire. Pas plus simple, vandalisme symbolique doit avoir une signification. La guerre incendie dalle devant mes parents des pans, les quartiers entiers ont été détruits durant cette guerre. Merde, on mérite peut-être de brûler. Une soulette avec la queue coupée. Étrange. Je crois que je vais mourir ici. Bonne idée. Oh, la lapine cochonne. Non, c'est pas elle. Vous avez une sacrée descente, l'ami. Mauvaise nuit, sûrement la pire de ma vie. Pourquoi vous avez une bouteille de rap? Je n'ai pas d'idée. Je crois que vous avez assez bu, non? Loin de là. Moi non plus, mais vous feriez bien de prendre votre parti. Vous ne savez pas à quoi vous parlez. Peut-être, mais c'est pas ça l'important. Comment vous faites pour rester si calme alors que le monde part à volo? Personne ne peut comprendre. Du calme, mec. Bonne chance avec votre future gueule de bois. On peut bavarder un peu? Bien sûr, tant que vous gardez votre calme. C'est un coin tranquille ici. En fait, je m'appelle Howard. Moi, c'est Looney. Et bien enchanté. Idem, ça fait toujours plaisir de rencontrer une nouvelle tête. Comment vous avez fini ici? Accident de travail, j'ai été remercié. Vous avez baissé les bras? Vous faisiez quoi? Je travaillais à la grande imprimerie de Gastov.
Vous n'aurez pas pu trouver un autre poste, vous n'avez pas perdu grand-chose, alors. Ça vous manque ? Écoutez, l'ami, ceci n'est qu'une illusion. Prenez vos distances avant qu'elle vous laisse le carreau. On ne peut plus changer le système de l'intérieur. Vous me sous-estimez. J'adorerais me tromper. Revenez quand vous aurez réussi à trinquer à votre succès. Vous croyez vraiment que j'ai une chance ? Rien qu'une seule ? Je compte bien. Bon, merci de m'avoir écouté divaguer. Si jamais on finit tout sur le pan, tous les deux, on pourra passer la nuit à boire et à pleurer sur notre sort. Dans ce cas, pourquoi ne pas boire et se lamenter ici? Vous croyez que ça risque d'arriver? Ah, c'est pas la même chose et je compte pas rester là longtemps, de toute façon. Vous avez vu ces symboles sur la plaque? Ouais, ce sont les graffitis laissés par des marginaux, ils sont pas de moi. Vous savez ce qu'ils veulent dire? Plus ou moins, la plupart ne sont que des tags idiots et des messages très simples. Vous avez une langue spéciale dans la rue. Est-ce que vous pouvez me traduire les messages sur la plaque? Il dit que l'endroit n'est pas sûr et de faire gaffe à vos affaires. Je ne sais pas comment interpréter ce bonhomme sans queue. Peut-être un symbole de culte. Voilà, changeons de sujet. Culte, celui de la confrérie de la Nouvelle Aube. Quel genre de culte? Rien d'exceptionnel. Le culte de la personnalité essentielle, avec ses excuses rituelles pour finir à poil. Les cultes sont de vrais fléaux. Soyez lucides, même les cultes ont leur bon côté. On a tous besoin de fraternité et de croire en quelque chose. Ouais, mais autant croire à quelque chose de vrai. Chacun est différent. Restant là, voulez-vous? Je déteste les gens. Le sujet dont je ne veux pas débattre, mon ami, à chaque jour suffit à peine. Ouais, et demain premier est d'être pire. Je dois y aller, salut. Puis du souhait. Le pauvre puceur à toilette publique, alors, pas la peine d'y jeter une pièce. Un souhait, ben, pièce dedans, puis fait un souhait. La même odeur que dans le poids, non. Eh, viens voir un peu par là, petit gars. Vous voulez quoi? Je vais te passer, ah ouais, et tu vas où comme ça? C'est la maman. Répète un peu pour voir. C'est vraiment une conversation passionnante. Vas-y, plante-moi, j'en ai rien à foutre. T'en tireras pas si facilement, mon pote, tu vas dérouiller. Allez vous faire foutre. Ouch. Hey, il m'a craché dessus, salope. Un petit renard sexy. Nous sommes en sécurité ici. Vous pouvez vous détendre. Vous pouvez me reparler. Non, parlez pour vous. Parfaitement. Sûr que personne ne nous a suivis. René, vous vous êtes cogné la tête. C'est moi, René Wilson. Ça m'a parlé, sans faute. Pourquoi je voudrais dire quoi que ce soit? De quoi ou juste? Permettez-moi de commencer. Je vous écoute. Je suis écrivain. Je fais des recherches sur Clarissa Bloodsworth. Écrire un livre sur le pouvoir et l'influence que cela confère. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez à Blackwood? Pas moi la personnalité officieuse la plus puissante de la ville. Depuis qu'elle a repris les rênes de la famille, elle ne fait qu'étendre son nouvelle drogue, client prestigieux et j'en passe. Client? Vous saviez qu'il y avait un salon VIP à l'étage du club. Fermé mais fréquenté par des gens très influents, grands banquiers, hauts gradés de la police et même des grands singes. J'ai fait un petit tour, je m'en doutais un peu. Ça fait une éternité que j'ai pas vu de grand singe. Je préfère rester discret ces temps-ci. J'en ai vu un et de bike la semaine dernière. Qu'est-ce qu'un grand singe pourrait bien faire dans ce club? Lequel? Difficile à dire, il était d'eau, alors vous êtes wood. Quelque sorte, mais je n'ai jamais parlé directement. Contrairement à vous. J'ai l'impression à vous laisser. Honnêtement, je ne sais rien. Il est plus fermé qu'une nuit. C'est bien le problème d'ordinaire la puissance. Vite de pouvoir, mais elle n'arrive pas à cerner ses motivations. Elle vend de la drogue. De la cocaïne, plus précisément. Une drogue aussi puissante qu'addictive. Elle propose la version purifiée dans son club. Un mélange de mauvais
que l'été finisse dans les rues. Comment vous savez tout ça? Quelqu'un me devait un service. Il me l'a rendu en prenant un peu de bon temps. Les effets des ibans de cette drogue sont sûrement très utiles à Bloodwood. Changeant de sujet. Savez-vous qui? Personne, mais je suis financé par un vrai pourri. Le genre de riche et influent. Un égo démesuré. Mais il sait que je n'aime pas qu'on me donne des ordres. Dites-en plus sur ce livre. J'étudie différentes formes de pouvoir et j'essaie de déterminer qui contrôle véritablement cette ville. Quel but? Les gens doivent comprendre que la société est malade pour pouvoir la réformer. Comment vous m'avez retrouvé dans le pas? Eh bien, j'ai quitté le club juste après votre sortie fracassante. Tous vos allées et les venues m'ont intrigué. Je dois avouer que j'ai rien. Où j'ai surveillé un peu la ruelle de derrière, au cas où. Et au bout de 20 minutes, bingo, un raton laveur qui vomit ses tripes. Ça aurait pu être simple. En tant que le spectacle vous ait plu. Demandez ce qui s'est passé. Je me demande juste pourquoi je vous ai laissé descendre une bouteille avant de vous interroger. Et c'est moche. Et je m'inquiète pour vous. Un peu de gratitude. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que vous... Commencez, j'aimerais que vous me fassiez confiance. Qu'avez-vous découvert au club de jazz? Je vais impliquer personne d'autre dans cette histoire. Je fais confiance à personne. Vous voulez vraiment vivre comme ça? Comme un lâche? Je rentre chez moi. Il est déjà parti si vous voulez vraiment. Mais je crois que vous vous sentez bien. Tous les rues sont très sûres à cette période. Vous avez tenu 2 heures avant. Ça me fait mal à te l'admettre, mais vous avez raison. Vous ne me croirez pas de toute façon. Je suis prêt à l'écouter. Je peux vous aider. Dites-moi le tout. Commence par le début. Hein? Vous m'avez dit que vous êtes détective privé. Qu'est-ce qui vous a conduit à Byte? Cherchez quelqu'un. Yes, désolé, Scorpion. On m'a engagé pour suivre. Prendre des photos. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Une ordure qui trempe sa femme enceinte. Pas décevant, mais pas surprenant. Vous l'avez trouvé? Oui, mais il était déjà mort. Hein? Où ça? Dans le sous-sol du club, il était en train de dépecer ma cible. Heureusement, il le vidait comme un poisson. Il avait d'autres corps suspendus au plafond. Il les découpait en petits culs. Régulier. J'ai vu la caisse entière de chair. Moi, pas mon style. J'ai compris, Bloodwood découpe des cadavres dans le sous-sol de The Bite avant de les mettre en boîte. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous mets cette mitre. Le meurtre passe encore et les abomine. Comment voulez-vous que je le sache? C'est détective, non? Tant pis. Quoi penser de tout ça, René? Je comprends. Moi, qu'on puisse dire. La nuit n'a vraiment pas été facile pour... Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Je dois reprendre le contrôle, exactement. Qu'est-ce qu'on fait alors? Vous? Ah, mais moi, je vais dormir. Depuis quand? Depuis que je vous ai suivi toute la nuit à travers la ville et que je vous ai sorti de la fang, j'ai une proposition à vous faire. Toujours, je vous invite à vivre une grande aventure. J'adorais partir à l'aventure, alors chercher la vérité avec moi, Bloodwood, est clairement plus dangereuse qu'on le pensait. C'est bien pour ce que je ne veux pas me mêler de ces affaires, exactement. Il est bien trop dangereuse pour nous. Moi, en quoi c'est une bonne idée? Je sais que vous avez peur, mais je perçois votre intelligence et votre curiosité derrière votre méfiance. Vous essayez de me fermer ou quoi? J'ai toujours travaillé seul, mais mon instinct me dit que je ne peux pas confier. Vous êtes plein de ressources et vous avez une dette envers moi. En ce cas, j'espère que vous avez l'estomac bien accroché parce que bien et on. Imaginez un peu. Vous pourrez enquêter librement, mais avec un soutien en coulisses. Un vrai travail d'équipe, et je vous paierai. Partenaire, c'est content de... Combien? Puisque vous avez l'habitude de gagner et je connais les méthodes de Bloodwood, je vous le protégerai. Très bien, j'accepte. Eh bien, si vous ne vous préparez du thé maintenant, c'est à vous de vous en occuper. Évitez, après tout. Moi, je suis le cerveau qui tire les ficelles. Allez dans, faites la boule. À vos ordres, chef. Donc, c'était tout. L'aventure du jeu. Backbone. Life.
sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah.